Salut à tous et à toutes, et bah enfin, je retrouve pour un nouvel épisode sur Tomb Raider 1 où nous étions devant Piaf, Vague et Chess Expo et nous allions aller à Vague. Et pourquoi est-ce une vague if si y'a oh. 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 Calmez votre joie, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un ennemi là en bas. Donc on va y aller. On va buter ce fils de pute. Ok, excusez-moi. Oh, c'est des chiens. Vous sonnez pas comme des chiens, c'est marrant quand même. Hein. Vous vous entraînez pour être acteur ou un truc du genre, d'accord, ok, ok. Ah, j'ai oublié de dire que j'étais là. Salut les gens. Salut Laura. on va pousser ça. Tirer. Je ne sais pas quoi faire. On va pousser. Non, tirer, d'accord. Tirer en Galilée. J'ai trébuché. Ok. Non, mais en fait, des gens qui disent ouais, bah le téléphone, tu baves. T'arrives pas de te frotter les lèvres. Mais en fait, parce que j'ai des blessures au coin des lèvres. Et donc, ce qui fait que. Ça me fait baver. Je suis désolé. Je suis un crapé. Voilà. C'est dit. Oh. Trousse! Trousse! La trousse de soin est très importante. Ok. Ok. Oh. Mais. Yeah, cool. J'ai vu une trousse de soins. J'ai vu une autre trousse. Trousse. Ok. Dans notre raptor, je vais supposer. Bah attendez, moi je viens de où? À part là. Raptor, je suis sûr que tu vas arriver. Ou pas? Bon, on va à Chess Expo alors. Tant pis pour lui. Après tout, moi je suis pas là pour juger. Faudrait que techniquement je le pousse puisque je peux pas tirer. Qui casse. Mets un levier au bout. Ouais, j'ai ouvert les trois. Oh. On va sauvegarder un. Yeah, félicitations Lara, tu es la meilleure, tu es trop forte. Ça servait à quoi ce bloc? À rien? D'accord, c'est le logo Chess Expo. Pas d'autres raptors, c'est bon. Il va sûrement y en avoir ici de toute façon. Salut! Personne, ok. Ah oh. Putain de mur de mur. Putain de mur de mur. Aou! 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 Panique! Wouh! Ok. Bonjour! Mon nom à moi, c'est Lara. Je peux lui tirer dessus. J'ai comme l'impression qu'ils vont se réveiller. Je crois que si j'avais pris le truc avant, il se serait réveillé. Donc on va essayer de prendre le truc avant pour voir s'il va se réveiller. Tu te réveilles pas ? Ouais, mais je t'aime pas. J'aime pas. J'aime pas ça. Je ne vous aime pas, je vais baisser le son. Lui, il est tombé comme une merde. Pff, espèce de noob. Noobie. Bye là.
Ah, d'accord. Merci, hein. Au. Vérifier qu'il n'y a pas de boule qui va me poursuivre. Je me retrouve ici. Oh. Ah! Faut faire gaffe, hein, parce que dans ton dire, vous savez, les trucs qui tombent, c'est jamais. Bon, bah, je suppose que je vais là. Mais c'est d'où je viens aussi. Ah oui, il y a une cinématique ici, donc c'était bien là. Ok! Pourquoi je meurs? Ah, il y a un bâtard qui me tue! Vas-y, j'avais même pas capté. T'es un fou, toi? Bon, tu meurs, ouais! Ah, bah enfin! Non, mais sérieux, tu. Well, you have my total attention now. I'm not quite sure if I've got yours, though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the Skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece, you say. Where's the rest? Miss Natla put Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to. You'll have to ask Miss Natla. Thank you. I will. Ok. Tombe de Calopex, c'est fait. Ah ok, il y a une cinématique. Bon, je pense que je vais couper ce petit fil. Coupons les petits fils, coupons les petits fils, wouh! Coupons, 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 coupons. C'est plutôt un câble en fait, mais, wouh! Pas de shit! Bon bah on se fait un peu chier par contre quand même, hein. Bon, bah voilà, c'est ma life. Yep. Natla Technologies, ça fait super sponsor, hein, franchement. Bon bah c'est là que je voulais aller, c'est chouette. Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Tiochen, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion. A pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is a galère putain. Pierre, you little bug. Bon, j'ai un peu de mal à piger c'était quoi le bug. Mais apparemment, aujourd'hui, j'ai avec Fab, c'est à certains moments où ça bug. Des lions. Qu'est-ce que vous foutez là, ça, les lions? Enfin, je veux dire, c'est pas trop votre place. Vous n'avez rien à foutre ici. Meurs. Ça suffit, les bêtises. On va dire que vous êtes des lynx, parce qu'en fait, c'est bizarre. Oh, grimpons. C'est l'heure de grimper. En cas... L'île est putain de bordel de... Bon, de toute façon, je peux grimper comme ça. Mais je vais en fait vous laisser pour cet épisode parce que j'ai des trucs à faire en fait. Cet après-midi, je suis pas chez moi. Oh là là, il s'est fallu une vie. Donc, je vais vous laisser pour cet épisode. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner si vous aimez aussi les autres vidéos, à le partager pour en faire profiter vos amis. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Bye!